toute la journée, j'ai attaché là, l'esprit. Le gars était étonné. Ce qui est en nous là, c'est trop fort. Amen. Amen. Souvent je demande aux gens, est-ce que vous savez ce qui est en vous? Or la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Viens, viens, viens. Viens toi te derrière là. Banaliser le diable. Amen. Amen. Les chants de prière, Satan qui m'éveille tout. Je vais manger, tu es là. Je vais dormir, tu es là. Satan qui m'éveille tout. Non, c'est pas les chants que les chanter. Tu veux manger, Satan est là. Tu veux dormir, il est là. Tu lui demandes, que m'éveille-tu? Je sais pour te manger. Quand tu demandes, il te suit, c'est pour te manger. Si tu veux des massataires, tu vas périr là, périr là. Mais les chants, ils ne chantent pas là. Non, celui qui chante ça, c'est ici. On se chasse ici. Satan te suit, c'est qu'il sent bon. Ça va être sûr, là, il dit sans moi, il y a qui manger, il y a Djaba, Thomas sur toi. Par exemple, on fait couler la braise là, puis ça fatigue tes narines là, c'est comme ça que tu es. Satan, que m'éveille-tu? Que m'éveille-tu? Ça, c'est ça. Tu lui demandes, que m'éveille-tu? La leçon, je ne vais pas entendre. Que tu lui poses la question, il veut te manger, lui, il est là pour ça manger. Satan a te suivi, il t'a vaincu. Tellement qu'il est banalisé, Satan, il a peur maintenant de moi. Et je le considère pour ça. C'est vous qui le voyez partout. Que m'éveille-tu? Je vais dormir, tu es là. Je vais manger, tu es là. Que m'éveille-tu? Oui, que m'éveille-tu? Je lui demande, ça il te suit. C'est comme Shipper. Vous voyez qu'on appelle le gars Shipper? Hein? Comment on appelle le Rena qui suit les gars là? Shipper, non? Oui, Shipper. Je suis les gens, arrête de me chipper. Comme ça, le diable vous suit. Ouais, Dora, un chipper dedans. Si Satan te suit, comme ça, je te suis sans diable. Allez-y, marcher de nuit de quoi, vous allez comprendre. Il y a poulet, la braise, quand tu passes, ça te fatigue. Ah!
Je la libère maintenant. Allez, lâche-la. Lâche-la. Amen. Libère-la. Si, lâche-la. 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 Feu. Je suis de deux fronts, hein. Deux fronts. Oui, parce que c'est dangereux de laisser un démon dans un corps. Or, sous les paroles, sous la délivrance, le démon peut la tuer. C'est comme un serpent blessé. Il devient encore plus dangereux. Or, les gens, ça les fatigue souvent. Ils sont tellement lassés qu'ils ne veulent plus. Non, c'est dangereux. Ce corps. Oui. Tu vas libérer sa vie au nom de Jésus. C'est un ordre. Tu m'entends? Lâche-la. 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 Ce corps ne t'appartient pas. Tu m'entends? Si, si, si. Lâche-la. 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 À genoux. Couche-toi, c'est ton bon. C'est ton bon. Oui, va-t'en. Un et deux et trois. Va! Oh!
tu as gagné. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai gagné 200, 1000 buts à zéro. Oh, bien appétit, que le nuit. Voilà. Comment t'appelles? Comment t'appelles? Hein? Tu es délivré au nom de Jésus. Non, l'Église a reçu le pouvoir sur le diable.